Hey, comment ça va? Vous avez vu un court-métrage la semaine passée? Cette semaine, encore un autre court-métrage? Mais on ne s'arrête plus, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne? Aujourd'hui, plus de comédie, on a décidé de vous présenter un petit film d'horreur qu'on a fait dans le cadre du TikTok Short Film... TikTok Short Film Festival. C'est un concours qui est co-organisé entre le Festival de Cannes et TikTok pour mettre en avant des créateurs de contenu sur la plateforme TikTok. Ils ont récemment dévoilé le palmarès et devinez quoi, on n'a rien gagné. Eh oui, ça on s'y attendait un petit peu, mais bon, tout ce qu'on a gagné, c'est l'amour de faire de belles images, Raphaël. Exactement, donc on vous en dit pas plus sur le film, sachez juste que comme contrainte, on s'est mis le film en vertical évidemment, et aussi en fait de faire un film sans dialogue pour que le monde entier puisse le voir. Oui, exactement, et parce que je suis un très très mauvais acteur. Allez, on n'en dit pas plus, bon visionnage. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mon jeu d'acteur, cette pomme, etc. Ça te donne encore envie de manger des pommes, toi? Oh, pas du tout, non, pas du tout. Et vous, bah, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça nous intéresse vraiment votre avis parce que des courts-métrages, c'est un peu notre amour pour le cinéma. C'est une déclaration de notre amour au cinéma. Et on a envie de savoir ce que vous en pensez parce que si vous êtes chaud, on en fait d'autres. Ça, c'est sûr et certain. Et si vous êtes chauve, c'est pas grave non plus. Bien sûr, si vous voulez soutenir le projet, bah, likez la vidéo. Abonnez-vous, partagez-la, commentez-la. Et pour ceux qui voudraient potentiellement participer au tirage au sort pour gagner le poster de la pomme, on vous invite à venir nous soutenir sur notre cagnotte Tipeee. Merci d'avance et à bientôt sur la chaîne des Boredom Busters. Ciao, ciao tout le monde.